Bon geek à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas trop mal. Hein. On va dire que le début d'année se passe plutôt bien. Puisque je dois avoir au moins 3 ou 4 vidéos en retard, c'est le minimum. Hein. J'en ai même peut-être plus. C'est le bordel. Je vous le dis, c'est le bordel. Eh oui, j'ai fait une semaine au ski. Du coup, c'est le bordel. On a beaucoup, beaucoup de retours. Mais quand je dis beaucoup, il y en a beaucoup. Donc, je pense que rien que là, ce que j'ai autour de moi, alors on dirait que c'est Noël. Je vous jure, on dirait que je reviens de finir Noël et que le Papa Noël est passé, la folie. Mais voilà, ça fait, là, il y a un mois, en fait. Hein, il y a un mois de présentation à faire, à peu près, un peu moins. Donc, il y a pas mal de choses sympathiques, comme d'habitude, pour moi. Et ben peut-être que vous allez apprécier autant que moi. Alors, il n'y a pas 50 milliards de choses non plus. Hein, c'est du play, voilà. Du play, je vous dirais pas... Ouais. Bon, ok, il y a beaucoup de play 2. Vous avez vu là? Ça va encore grandir du coup bientôt. On a donc du play et quelque chose que je cherche depuis un petit moment. Vous avez dû voir, j'espère, sur une des vidéos. Ou alors, c'est une que j'ai pas encore montée. Hein. Je sais pas. Ma nouvelle lubie. Nouvelle lubie, si on veut. Hein, c'est fait partie du cinéma. Comme je vous ai déjà dit, le cinéma... Je sais pas si on va pouvoir voir. Hop. Vous voyez, il y a énormément de cinéma. Donc, oui, ma lubie cinéma, ben, ça s'arrête pas au DVD au Blu-ray. Hein, alors qu'à cette vidéo, non. Qu'à cette vidéo, c'est de suite, non. Trop de place, pas de qualité assez durable. Les laserdiscs, eh ben, pas mal de rentrées. Et au cash où je vais régulièrement, il y en a même des, à des prix, mais magiques. Magiques. Vous le savez, hein, on parle plus de prix. Alors, oui, petite chose, bien entendu. Donc sur Facebook, on a avec plusieurs personnes, alors il y en a c'est des youtubeurs, il y en a c'est juste des passionnés, on a décidé de faire une page Facebook, pourquoi? Parce qu'on a marre du coup d'être sur d'autres pages, que les revendeurs passent, que les spéculateurs passent, que ça parle que de pognon, que les gens en fait demandent à tour de bras des estimations, what? T'es collectionneur? T'as pas besoin d'estimation, tu connais un petit peu ce que tu fais quand même. Donc voilà, on a décidé nous-mêmes, on avait marre de ça en fait. On en avait marre de ça, on a donc décidé d'ouvrir un groupe Facebook qui s'appelle 100% Passion Jeux Vidéo. Donc je vous mettrai la description dans le lien dans la description. Et voilà, on l'a fait pourquoi? Parce qu'on veut quelque chose de qualité. On a vraiment envie de quelque chose de qualité, donc ça débute. Hein, mais à l'heure où vous allez voir la vidéo, ça fera quelques semaines déjà, je pense. On va mettre en place pas mal de choses. Des critiques de jeux, je pense. On va voir, on va en discuter. Bon, déjà, on va faire une histoire. On va raconter pas mal de choses sur le monde du jeu vidéo. Vous le verrez plus tard, si vous allez le voir, si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas, 100% passion jeux vidéo. Voilà. Petit aparté pub. Alors donc, on va commencer par quoi? On va donc commencer par un lot PS2. Un lot PS2, toujours pareil, hein, moi je préfère en lot, même s'il y a des doubles dedans. Je vous rappelle que les doubles, c'est en échange, en cadeau. Ça ne part pas à la vente, nenni, jamais de vente. Eh oui, je vous le dis, je vous le répète. Donc, on a en double, pour l'instant je vous montre les doubles. Ouais. Donc, Indestructible, Medal of Honor. C'est le en première ligne. SmackDown vs Raw 2009 et un Tekken 4 en Platinum. Donc ça, logiquement, si je dis pas de bêtises... Non, non, voilà, non, c'est pas le Tekken 4. C'est le Need for Speed Pro Street. Si je dis pas de bêtises, je veux pas dire de bêtises. Ouais, j'ai eu tellement de trucs que je me rappelle plus. Si je dis pas de bêtises, ce lot, c'est un lot que j'ai acheté à un monsieur qui est dans ma région et qui est youtubeur. Et si je dis pas de bêtises, j'espère que je vais pas me tromper parce qu'il va me tuer, c'est Mulder06. Mulder06, vous pourrez aller voir sa chaîne, en cas je la mettrai en description. Il fait pas mal de trucs sympas, donc allez le voir, ça fait plaisir. Abonnez-vous à lui comme d'habitude, hein, ça fait toujours plaisir à tout le monde. Au moins, c'est vrai que, on n'a pas l'impression de travailler pour rien non plus, parce qu'effectivement, oui, ce qu'on fait, même si on joue aussi, c'est beaucoup de boulot parce que, je vous dis, là, il y a 4 vidéos en retard minimum à monter. Il y en a au moins pour 3-4 heures de montage, parce que pour l'instant c'est des vidéos qui sont pas très très complexes, mais voilà, il y a du boulot. Donc pour tout le monde, allez faire un tour, laissez des commentaires, des pouces bleus, des likes, allez-y, ça fait toujours plaisir. Donc ça, c'est les doubles que j'ai dans ce lot. On a donc le reste, c'est un dropship, jeu un peu spécial, assez rigolo. C'est une bonne petite guerre, hein, une bonne petite guerre en 2050. Je pense qu'on va bien rigoler. Peter Jackson, King Kong, The Official Game of the Movie. Un Shrek Smash Crash Racing. Moi, je me rappelle surtout d'un Shrek, c'était sur la Xbox première du nom. C'était le Shrek qui était un peu... Shrek Party, si je dis pas de bêtises.
qui concurrençait Mario Party, et je me rappelle que j'avais passé des barres de rire avec ce Shrek Party. Donc il paraît que le Shrek Smash Crash aussi est très sympa. C'est du Shrek, donc c'est logiquement c'est assez rigolo comme le film. Un Crash Twinsanity, sympa, encore du Crash Bandicoot, ça fait plaisir. Un GTA Vice City, mais en platinum, je ne l'avais pas en platinum. Donc comme vous le savez, platinum, un jour plus, un jeu différent pour moi, hop, etc. Paris-Dakar Rally. Un Worms Mayhem, je ne sais même pas si on dit comme ça, mais voilà. Et un Jet Ski Rider. Moi, je suis plus scooter des mers que jet ski. Hein. Un petit lot sympa, donc, si je dis pas de bêtises, ça fait 8 jeux qui rentrent dans la collection. Et vous avez pu voir qu'on a dépassé les 800. Là, logiquement, avec tout ce qui est rentré récemment, on approche doucement de la centaine du dessus. Je ne vous dis pas combien. À vous de calculer. Vous devez être bon en calcul, je l'espère. Première entrée assez sympathique. Alors, une rentrée aussi, là, c'est. Il n'y a aucun rapport au niveau des dates, hein, je vous le dis de suite, il n'y a aucun rapport au niveau des dates, c'est le bordel. J'ai eu ce petit jeu-là, donc Call of Duty en marche vers Paris, donc le Call of Duty 3, je l'avais, hein, mais maintenant que je vérifie quand même dans les boîtes, et ben en fait, c'est un Call of Duty 2 Big Red One. Donc, ben, celui-là, je ne l'avais pas. Donc, bon, il rentre en loose, mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. C'est toujours un jeu qui rentre. Pas mal de jeux, ça commence, ça commence. On va passer sur un jeu de société. Un Trivial Poursuite à la découverte de la France. Et c'est un petit de voyage. Hein, sur la photo, je pensais pas, là, il était aussi petit. J'ai pas vu que c'était un de voyage, mais c'est pas grave. Parce que du coup, ben, je l'ai pas non plus. Alors, ça rentre. Ça fait plaisir. Ça augmente la collection des Trivial Poursuite. En ce moment, je trouve pas de Monopoly par contre. Ou alors très cher, les gens veulent très très cher. Ça me fatigue. Ça me fatigue de regarder sur Internet et que les gens veulent de plus en plus cher. C'est relou. Là, c'est un lot de jeux PS2. Alors, ce qui est rigolo, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu de mes retours à chaque fois, j'avais trouvé en fait quelqu'un qui vendait des jeux PS1 avec donc la PS1 que j'avais eu dans un sac PlayStation. Au pire, vous regardez, ça fait des vues, ça fait toujours plaisir. Mais eh ben, en fatalité, la dernière fois que je contacte quelqu'un, eh ben, quand on s'est revu, c'était lui. Eh ben, j'ai eu des jeux PS2. Eh ouais. Alors un Black en Platinum, par contre je l'ai déjà, c'est un double. Un Splinter Cell en Platinum. Un Call of Duty le jour de gloire. Je crois que je l'ai pas celui-là, je sais plus. En tout cas, je sais que dans le lot, il y en avait que j'avais pas, donc j'étais content de le prendre. Tekken 5 en Platinum. Celui-là, c'est sûr que je n'en avais pas. Un MX versus ATV Unleashed. Unleashed. Unleash, 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 que je n'avais pas et qui fait toujours plaisir, parce que ça, c'est des bons jeux bourrins. Ben ouais, où la conduite se fait bourrinement, on fonce, on freine jamais et ça passe toujours. Et donc, il m'a dit, je vous mets dedans des jeux PlayStation 1. Alors, quand il m'en a parlé, je crois qu'il y en a que j'avais. Mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir, hein, parce que ça fait toujours rentrer des jeux. Donc, il me les a mis là-dedans, donc dans la boîte du Gran Turismo 3. Spec en platinum, et ben il y a un Formula One 2001 sur PS1. Celui-là, normalement, il me semble que je ne l'avais pas. Il y a un donc les deux CD Driver 2, pareil, ça fait toujours plaisir. Je l'avais, je les avais, bah, pareil en loose, c'est dommage. Donc bah, ça partira à l'échange. Et un Pro Evolution Soccer 4 en platinum. Celui-là, je crois que c'est du vu, revu, 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 revu. Revu, revu, et je crois qu'il y a un petit revu derrière. Bah écoutez, moi je crois que si je dis pas d'étil, le Formule 1, je l'avais pas. Le driver, bah, c'est toujours ça en cadeau, il me l'a offert, donc bah, ça part à l'échange, pareil, ou en cadeau, bah, c'est toujours peut-être un jeu qui rentrera grâce à ça. Donc merci à lui. Je pense pas qu'il verra un jour ma vidéo, mais merci. Voilà, petite vidéo de rentrée sympathique qui commence tranquillement. Eh ouais, parce que ça commence tranquillement là, je vous dis, là on a vu pas grand-chose en fait. Pas grand-chose de ce qui est rentré. Donc, toujours pareil, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, parce que c'est relou quand ça dure trop longtemps, et quand ça dure pas assez longtemps, ben ça dure pas assez longtemps, c'est vite relou aussi, en fait. Donc j'espère qu'on arrive toujours à chaque fois entre 8 et 10 minutes, ça se fait bien, hein, c'est 8 et 12 minutes en règle générale, ça fait passer le temps, aux toilettes ou ailleurs. Mais en tout cas, ça nous aide. Je voulais faire une vidéo sur le ski, je suis dégoûté, et je viens de regarder un petit peu avec la GoPro, et ça bouge beaucoup. Donc, je suis pas sûr que je fasse une vidéo. En tout cas, bah, sachez une chose, c'est que je me suis fait plaisir. Hein, et dans le chousse, je m'améliore. On a tapé 80 km à l'heure, ce qui est déjà pas mal. Oui, parce que ma montre, hop, elle fait GPS et elle compte les kilomètres à l'heure. On était à 80. Bah, ça fait plaisir. Sur ce, les gars, ou les gars et les gays, j'allais dire, bah, les gars ou les gazelles. Hein, je sais pas comment vous appelez. Mais écoutez, éclatez-vous bien, passez un bon moment. Et n'oubliez pas, la vie n'est qu'un jeu. À plus tard.
Ciao tout le monde.